Bonjour et bienvenue à chacun pour ce culte. Ce temps est long que nous traversons et l'avenir bien incertain, mais plus fort que cela, il y a la fidélité de Dieu, sa promesse, sa présence, la confiance qu'il met en nous, sa grâce abondante et bienfaisante, sa paix apaisante. Que sa grâce et sa paix nous soient données à chacun de nous. Au cours de ce culte, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons lire l'Écriture et méditer. Nous écouterons Élise qui nous a préparé un morceau de violon. C'est Nathalie qui nous aidera à entendre l'Écriture. C'est Koussou qui nous introduira dans la prière. Et mon collègue Andreas va nous accompagner dans les chants et aussi dans la prière. C'est avec lui que nous entrons dans ce temps de la prière. Une prière qui est inspirée par un texte de Edith Wild. Prions. Reste avec nous, Seigneur, dans nos nuits de solitude, du découragement et d'espoir ensevelis. Reste avec nous, Seigneur, dans nos jours de joie, de confiance et de paix partagée. Insaisissable compagnon de nos sentiers obscurs et de nos routes ensoleillées, déchire le voile de nos yeux appesantis. Surprends-nous par ta parole, brûlure en notre cœur, rejoins-nous dans les gestes de partage. Alors nous te reconnaîtrons, toi le vivant, visiteur déroutant, passager fugace te dérobant sans cesse et ami tendrement présent. Amen. Ami tendrement présent, source de vie, de paix, d'amour, il entend notre prière, il calme notre crainte. Nous poursuivons cette louange en chantant ensemble « Ô, prends mon âme ». La présence du Seigneur est notre force, son évangile est notre vie. Nous allons maintenant ouvrir l'Écriture et y entendre le récit qui est proposé à notre méditation aujourd'hui.
C'est l'histoire de deux hommes, deux disciples de Jésus, qui partent de Jérusalem en route vers un village qui s'appelle Emmaüs. Et en route, il y a un inconnu qui les rejoint. Seigneur, que dans ce récit que nous allons lire, ce soit ta parole qui nous rejoigne et qu'elle donne sens à nos vies. Que ton esprit nous ouvre à y entendre ta parole. Amen. Ce récit se situe le jour de Pâques. Écoutez. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit : « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?»« Quoi donc ? » leur demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnées, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues, nous racontaient que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant : « Reste avec nous. Le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre : « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient : « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous dans ta vérité. Merci Nathalie. J'aime beaucoup ce récit que nous venons d'entendre. C'est une très belle rencontre de deux personnes en chemin de vie qui font une rencontre bouleversante qui va modifier à tout jamais leur existence. C'est un texte que je trouve d'une richesse infinie. On n'a jamais fini d'en faire le tour et d'y trouver du sens. Hier, en fin d'après-midi, nous avons eu une séance avec les adolescents du catéchisme de notre paroisse
en visio-catéchisme, chacun chez soi, et nous avons discuté autour de ce texte, dans cette richesse de sens qui peut s'ouvrir pour chacun, à la fois par ce que donne le texte et par ce qui peut résonner dans la vie de chacun. Je trouve que chaque verset, chaque mot de ce texte est riche de sens. Et aujourd'hui, il y a un bout de verset qui me parle particulièrement. Je n'y avais jamais trop fait attention avant, et puis dans la situation que nous vivons, je trouve qu'il porte du sens. C'est le début du verset 33. Aussitôt, ils se levèrent et ils repartirent vers Jérusalem. Je trouve que ce morceau de verset me parle, nous parle, dans la situation que nous vivons. Dans ce temps complexe, long, monotone et incertain, où notre propre rapport au temps est complètement bouleversé. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous, sans doute, il y a moins de 2 mois, auraient été incapables d'imaginer ce que nous vivons. Et qui d'entre nous peut imaginer ce que nous allons vivre après le 11 mai, après ce jour que nous attendons avec impatience, avec crainte, avec beaucoup de fantasmes aussi. Oui, notre rapport au temps est bouleversé. Jacques Brel chantait « Il y a deux sortes de temps. Il y a le temps qui attend et le temps qui espère. » Alors vous le vivez comment, le temps? Est-ce que vous le vivez comme un temps qui attend? Mais nous savons que bien souvent cette attente est difficile, que cette attente peut se transformer en l'inverse de ce que nous voudrions qu'elle soit. Elle peut se vider et finalement on ne sait plus ce qu'on attend. On ne sait même plus si on attend quelqu'un ou quelque chose. L'espérance, c'est pareil. Le temps qui espère, il peut aussi se transformer très très vite en un temps qui est vidé de l'espérance. Un temps où on fuit finalement. Et on sait que cette espérance, elle n'arrivera jamais. Et alors, cette espérance est de l'ordre d'une désespérance. C'est un symptôme de crise d'espérance. Il y a deux sortes de temps. Quand Jacques Brel chantait cela, c'était dans une magnifique chanson qui s'appelle « L'Ostendaise ». Chanson très poignante, très, très, très triste, je trouve, très, très pathétique, parce qu'elle nous parle de l'absence, elle nous parle de l'attente vide, elle nous parle de l'attente de l'espérance qui est comme une fuite. Quelles que soient nos conditions de vie, que nous soyons suroccupés et stressés par le télétravail, les enfants, les soucis, ou que nous soyons dans un creux, dans un vide qui fait que chaque journée se ressemble et où il n'y a rien à faire et c'est long, que nous soyons seuls chez nous ou dans une maison ou un logement où il y a beaucoup de monde, que nous soyons plutôt sereins et paisibles ou au contraire découragés ou anxieux à l'idée de ce qui nous arrive ou va nous arriver, comment est-ce que nous vivons le temps? Est-ce que nous vivons un temps qui attend ou est-ce que nous vivons un temps qui espère? Pas très encourageant comme début de prédication, me direz-vous. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle que je partage avec vous. Cette bonne nouvelle, c'est que l'Évangile nous rejoint là où nous en sommes. C'est même en particulier dans les moments de creux, dans les moments difficiles, que le Christ se fait notre compagnon. Quand notre temps d'attente, quand notre temps d'espérance sont usés, la Bible nous propose un troisième temps. Rappelez-vous ce qui est dit dans ce récit des disciples qui sont en chemin vers ce village appelé Emmaüs. C'est un récit qui est un chemin de vie, c'est le récit de notre vie peut-être. C'est un récit en 4 moments existentiels. Le premier moment, c'est sur la route. Ces 2 disciples sont en train de quitter Jérusalem. On ne sait pas pourquoi ils quittent Jérusalem. Mais on peut se douter assez fortement qu'ils quittent le groupe des disciples parce que l'histoire est finie. Ça fait des mois, des années qu'ils cheminent avec Jésus, qu'ils espèrent, qu'ils attendent, qu'ils y croient. Et puis, 3 jours avant, tout s'est écroulé, la croix, la mort, la fin. Alors bien sûr, le récit se trouve le jour de la résurrection et ces 2 disciples ont entendu eux-mêmes que Jésus était ressuscité. Mais ça n'a pas de sens pour eux. C'est trop
nouveau, trop irreprésentable, c'est trop incroyable. Alors ils repartent, ils rentrent chez eux, ils reviennent en arrière. Ils sont tristes, plein de questions, relativement désabusés. D'ailleurs, ils parlent au passé. Jésus était, nous espérions que. Ils sont dans ce temps où ils n'attendent plus, ils n'espèrent plus, ce temps dans lequel nous sommes. Ces deux disciples, un qui s'appelle Cléopas et l'autre dont on ne nous dit pas le nom parce que peut-être que c'est notre nom à nous qu'il faut mettre à sa place. Deuxième moment, c'est toujours sur la route. C'est toujours ces deux disciples qui avancent péniblement. Mais voici que Jésus les rejoint. Jésus s'approche d'eux et se met à marcher avec eux. Le Christ fait proche de nous sur notre chemin de vie. On peut ne pas s'en apercevoir, ne pas s'en rendre compte, ne pas savoir que c'est lui, comme ses deux disciples d'ailleurs, qui ne savent pas que celui qui pour eux est un inconnu, c'est en fait le Christ qui chemine avec eux. Voilà, le Christ les rejoint et il entre en relation. Il entre en relation d'abord parce qu'il marche avec eux, il est leur compagnon de route, côte à côte. Et puis relation parce qu'il leur adresse la parole. Et cette parole adressée, c'est une invitation au dialogue. Jésus commence par les faire parler, par leur permettre de déposer ce qu'ils ont au fond d'eux, leur déception, leurs questions, leur tristesse. Et c'est après qu'ils aient pu déposer tout cela. C'est parce qu'ils ont déposé tout cela, c'est au creux de tout ce qu'ils ont déposé, que Jésus se met à leur parler. Et il leur parle pour leur raconter l'histoire biblique, pour les plonger dans l'Écriture, pour leur dire comment tout cela prend sens. Et en particulier, la venue de Dieu en Jésus-Christ, la mort sur la croix, ce Dieu qui va jusqu'au plus loin possible du compagnonnage avec nous, et ce Dieu qui, en Jésus-Christ, ouvre des chemins de vie par la résurrection au matin de Pâques. Oui, les deux disciples sont ainsi portés par toute cette présence et cet enseignement du Christ par la Bible méditée. Ils ne le savent pas encore, mais déjà l'Évangile est en train de germer en eux. Troisième moment, dans une maison. Le soir est venu, la nuit est tombée, il n'est plus possible de continuer la route, il faut s'arrêter. Et alors là, les deux disciples ont une prière qui est peut-être la quintessence de toute prière. Trois mots. Reste avec nous. Ils demandent au Christ de rester avec eux. Et Jésus reste. Il s'assoit à table avec eux, il partage le repas, il prend du pain, il prononce la bénédiction, il partage le pain. C'est ce qu'on fait dans tout repas de croyants. Mais ce soir-là, ça prend un sens nouveau, puisque c'est la première fois qu'après sa résurrection, Jésus partage le pain avec ses disciples. C'est le repas du Seigneur, c'est la Sainte Cène, c'est le moment où ils le reconnaissent. Et alors là, au moment où ils le reconnaissent, Jésus disparaît à leurs yeux. C'est une belle image de la foi. Tant que nous sommes à regarder, à vouloir rationaliser, comprendre, expliquer, justifier, nous ne voyons pas que c'est Jésus qui est là. À partir du moment où on le reconnaît, alors il n'a plus besoin d'être là dans les yeux, il est dans le cœur, dans la vie, dans la présence spirituelle, et c'est bien plus profond. C'est comme ça que les disciples vivent à ce moment-là, ils le reconnaissent. Et alors, l'ayant reconnu, ils sont tout d'un coup transportés par tout ce qu'ils viennent de vivre, par tout ce qu'ils ont compris en chemin, ils relisent ça. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au fond de nous? Ils réalisent que c'était Jésus déjà qui marchait avec eux. Alors on pourrait s'attendre à ce que le récit s'arrête là. Ils sont, on pourrait penser au summum de la foi, avec Jésus, dans la reconnaissance de la foi. Et pourtant le récit ne s'arrête pas là. Il y a un quatrième moment, sur la route de nouveau. C'est pourtant la nuit. C'est pourtant la route impossible normalement. Et pourtant, aussitôt, ils se lèvent et ils repartent vers Jérusalem. Alors on pourrait penser qu'ils reviennent en arrière, mais ils ne reviennent pas en arrière. Ils repartent vers les autres disciples, non pas pour revivre comme si rien ne s'était passé, mais au contraire pour entrer ensemble dans une vie nouvelle. Ils rencontrent les autres disciples qui leur disent « Nous avons vu le Christ vivant ». Et eux, à leur tour, leur disent «
Nous aussi, nous l'avons reconnu quand il rompait le pain. C'est la première Église qui se rassemble. Et c'est le début du partage de l'Évangile, le début d'une terre nouvelle, d'un royaume des cieux qui est annoncé, de l'Évangile qui est répandu à travers la terre. Quatre moments. Le moment de la route désespérée, le moment du Christ qui chemine et de l'Écriture qui nous rejoint et nous permet de réfléchir et de méditer, le moment du culte, de l'Église, du repas partagé, de la foi, le moment, enfin, de l'engagement. Aussitôt, il se lève. J'aime beaucoup ce petit verset 33. Aussitôt, ça veut dire que, à la charnière entre ce troisième moment, qui est le temps de la foi, de la communion, et le quatrième moment, qui est le temps du chemin et de l'envoi, à la charnière, aussitôt, ça veut dire que ça prend sens pour eux. Ils se lèvent. Se lever, c'est pas n'importe quel mot. C'est le verbe qui dit la résurrection dans l'évangile de Luc. Quelques versets plus haut, quand Luc a raconté le récit de la résurrection, il a dit que Jésus s'est levé. Jésus est ressuscité. Et voici que c'est au tour des disciples maintenant de se lever, de ressusciter. Aussitôt, ils se lèvent. Tout se tient là. Dans un temps qui n'est plus le temps de l'attente vide et de l'espérance désespérée, mais dans un troisième temps. Il y a le temps de l'attente, il y a le temps de l'espérance, et puis il y a le temps de l'engagement. Ce temps que vivent désormais les disciples. Ce temps que nous sommes appelés à vivre. Parce que c'est celui qui redonne vie à l'attente. C'est celui qui vivifie l'espérance. Cela, toute l'Écriture nous en parle. Oui, toute l'histoire biblique est une histoire de cheminement. Depuis Abraham, le patriarche, l'ancêtre, qui avait tout son avenir fermé, plus aucune espérance, plus aucune attente, et qui soudain entend la parole d'un Dieu qui le sort de lui-même, qui le libère, qui lui dit « va » et qui l'emporte dans cette promesse d'un avenir, d'une descendance. Toute l'histoire biblique est cette histoire de nomade qui chemine, porté ainsi par la fidélité de Dieu, par sa promesse. Esclave en Égypte, mais libéré sur les chemins de l'Exode, vers la terre promise. En exil à Babylone, mais délivré par leur Dieu qui les ramène chez eux. Disciple d'un maître qui, sur les routes de Galilée et de Judée, rencontre et libère des gens. Premier chrétien qui se disperse à travers le bassin méditerranéen pour porter l'évangile qui les fait vivre. Oui, toute l'histoire biblique est une histoire d'une mise en route. Et à contrario, chaque fois que cette histoire s'arrête, chaque fois que les croyants s'enferment, eh bien c'est la catastrophe. Esclavage en Égypte, royauté qui s'institutionnalise et qui prend la place de Dieu, exil à Babylone, religion qui s'instaure comme un pouvoir, tombeau dans lequel le Christ est enfoui, chaque fois c'est la catastrophe. Mais chaque fois, la fidélité de Dieu est plus grande, sa promesse est plus forte. Chaque fois, les croyants sont remis debout, se lèvent et repartent sur le chemin. Alors c'est ce qui nous attend, ce à quoi nous sommes appelés dans ce temps que nous vivons. On entend beaucoup d'églises ou beaucoup de chrétiens qui, ces jours-ci, ont quasiment une seule obsession, c'est quand est-ce qu'on pourra réouvrir nos églises et nos temples. Alors, ce texte vient nous dire que ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas une question pour nous, quand est-ce qu'on pourra pour nous se retrouver entre nous. La question, elle est, qu'est-ce que nous allons faire de ce monde de demain? Non pas pour nous, mais pour le monde, pour les êtres, les hommes, les femmes, les enfants, pour la création dans laquelle nous sommes. Il y a quelques jours, mardi, le 21 avril, la Fédération protestante de France a transmis au chef de l'État un plaidoyer pour une transformation écologique, solidaire et démocratique. C'est un texte très important qu'il nous faut lire, méditer, travailler, mettre en œuvre.
Ce n'est pas un texte qui nous replie sur nous-mêmes, mais c'est un texte qui nous fait nous lever pour construire un monde nouveau. Non pas, comme le dit le texte, pour que le jour d'après soit simplement un retour au jour d'avant, mais que, au contraire, ça soit une terre plus juste, plus solidaire, que nous puissions construire, que nous devons construire ensemble. Ce texte, vous le trouverez sur le site de notre paroisse et je vous invite à le lire. Il dit ce que, dans ce récit, je trouve, c'est que les disciples ne sont pas enfermés, ne s'arrêtent pas au moment où Jésus est avec eux, partage le pain et se révèle à eux. Au contraire, à ce moment-là, ils repartent en chemin. Comme toute cette histoire biblique, c'est à leur tour d'être porteurs de l'espérance. Cette espérance, cette attente qui devient une attente vive, une espérance vivante et qui fait construire un monde nouveau, non pas par nos propres forces simplement, mais avec aussi notre propre engagement, mais avec la force de Dieu, avec sa puissance mise en nous, avec ce feu qui brûlait en nous pour que nous en soyons témoins et que nous puissions le partager, le faire vivre, que ça ait du sens pour cette vie sur la terre. Comme le disent beaucoup de dialogues écuméniques, c'est à nous qu'il appartient d'être des instruments, des signes, un avant-goût du royaume de Dieu, ce royaume de paix et de justice qui transforme des vies, mais qui est là aussi pour transformer notre monde. Aussitôt il se lève. Ce que je retiens de ce récit pour aujourd'hui, c'est que quels que soient les creux de nos chemins, le Christ nous rejoint, chemine avec nous, que l'Écriture méditée redonne sens à notre vie, que le Seigneur chez nous rentre, s'assoit et dîne, et que dans la foi, aussitôt, nous nous levons. Quels que soient les temps qui nous écrasent, quelle que soit la longueur de ce confinement et surtout du déconfinement qui viendra, quelle que soit l'incertitude du temps, le Christ nous appelle à déjà construire un monde plus juste, un monde où son esprit souffle en nous et par nous. Il y a trois sortes de temps, il y a le temps qui attend, il y a le temps qui espère et il y a le temps qui nous engage. D'ailleurs, n'y a-t-il pas comme un feu qui brûle au fond de nous? Amen. Thank you.
Youssouf va maintenant nous accompagner dans la prière. Cette prière se prolongera en écoutant Élise qui nous jouera une gavotte de Lully. Nous prions. Seigneur, dans notre voyage aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte, ce temps de louange, de prière, de méditation. Aujourd'hui, nous sommes à Emmaüs. Si souvent nous avons été aveugles devant les signes de ta présence, ce n'est qu'après que nous réalisons que cette main tendue, cette parole juste, ce geste généreux, ce pardon offert, cette communion vécue, ce sourire d'un étranger, c'était donc toi. Seigneur, pardonne notre lenteur à te reconnaître et notre peur à te répondre. Que ton esprit éveille notre esprit à ta présence. Que ta présence convertisse notre regard, qu'elle parle à notre cœur et qu'elle nourrisse notre foi. Seigneur, nous te louons pour ton cheminement à nos côtés, tout au long de nos sentiers. Nous te louons pour ta parole dans l'Écriture, qui devient notre nourriture. Nous te louons pour ta grâce du partage qui renouvelle notre foi. Apprends-nous maintenant à partager avec nos frères et sœurs cette intelligence de l'Écriture et cette présence de ta parole. Aide-nous à être tes témoins en actes, en gestes et en présence. Auprès de tous ceux qui souffrent et pleurent autour de nous, que nous leur donnions de ce feu qui brûle en nous. Amen. Merci Koutou, merci Élise. Unis dans le Christ, nous poursuivons cette prière avec les mots qu'il nous a enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Ce culte va bientôt se terminer, nous allons encore chanter un chant, mais auparavant, je vous rappelle que notre vie d'église continue, même si c'est de manière différente des temps habituels. Vous avez toutes les informations sur notre vie d'église, sur sa manière de vivre dans ces moments, qui se trouvent sur le site de notre paroisse, que je vous invite à aller voir, www.epupl.org. Il y a dessus plein d'informations, des propositions de prière, de méditation, d'animation à vivre chez soi ou en famille. Il y a aussi une manière de pouvoir soutenir matériellement la vie de notre Église et sa mission sur cette terre. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse contact@epupl.org. Nous allons maintenant chanter un chant qui évoque ces deux disciples qui, sur la route d'Emmaüs, quand le soir descend, invite le Seigneur à rester un moment avec eux. Quand le soir descend. Quand le soir descend. C'est comme un feu qui brûle au-dedans de nous quand le Seigneur nous parle en chemin et qui nous explique les Écritures. Que sa parole soit sur ton chemin, que son appel soit la réalité de ta vie, que son amour te donne la force de prendre le risque de le suivre. Par lui, le chemin t'est ouvert. Il te donne de t'y engager avec lui. Tu es béni en Jésus-Christ. Que Dieu te garde. Amen. Bon dimanche à chacun de vous.